Mais quoi? Il est là. C'est bon, tout le monde est prêt? Oui. Non. N'oubliez pas de vous mute, s'il vous plaît. Non, j'ai envie de vous parler, voilà. Allez. J'ai envie de vous dire à quel point je vous aime pas. Allez, c'est parti. Oh non, c'est un poster. Ah oui, merde, il n'y a pas encore. C'est l'air de toi. Non, ta mère. Toi, ta mère. Déjà bouffé. Sinon, vos mères, hein, voilà. Ok, donc je commence. Ah, ingénieur en plus. Bah écoute. Je vais utiliser ça pour commencer. Hop. Ah oui, mais mute micro, c'est pas ouf. Mais pas le mien, gros. Ouais. Vos mères. Ça a tellement coupé. Alors attends. Eh, forcément. Forcément. Je viens de le voir devant mes yeux. Wesh! Leandro devant mes yeux. Mais c'est agressif. Oui, mais vraiment, je comprends pas comment c'est possible. Alors, il n'y a pas genre un cooldown ou autre chose. Le théorème est toujours vrai. Draco meurt en premier. Oui. Leandro qui assassine brutalement. Je meurs un peu. Bah dans ce cas-là, c'est un métamorphe, mais c'était clairement un skin de. Je suis un peu trop transparent. Bah pourquoi j'ai pas vu le kill, moi. Mais genre, t'es. What the fuck? Draco, tu pars en métamorphe. Il est à labo. Labo. C'est peut-être. Ouais, mais je suis déjà à labo. Je suis vraiment étonné que tu ne l'aies pas vu. Mais où est-ce que tout le monde est? Moi, j'ai pas bougé. Je suis allé au CAM avec des mains. Et Andrew, où es-tu? Moi, je suis en route pour Spécimen, wesh. Ok, bah il manque. C'est peut-être des mains. Non, je suis à caméra avec des mains. Ah, ok. Mais il manque. Vous trouvez pas que ça va vachement vite à Spécimen, Leandro? Bah, en route, il a dit qu'il était en train d'aller. Ouais, mais il était en train d'aller. Vachement vite. Genre, je. Bah, oui, j'ai fait une tasse ah, oui, à la fois. J'ai fait une tasse à la fois. Ah oui, non. Et après, je suis à peine en sortir de navette. Ça, désolé, mais ton chemin colle, Leandro. Tu t'as dû passer par le laboratoire, du coup t'es passé par le laboratoire. On aurait vu l'animation de la porte s'il descendait à Spécimen. T'es en route vers Spécimen, bah en soi ça colle, hein, parce que moi je t'ai vu littéralement kill. Je dis on passe pour le premier tour et puis on attend de voir s'il est sauce. Ouais, parce que moi je dis. C'est quand même sacrée coïncidence que le métamorphe fait exactement le même chemin que Leandro. Ouais, mais moi je trouve qu'il est sauce pour le moment. Moi j'ai l'impression qu'il a voulu faire le sauce. C'est pas obligé que ça soit Leandro du coup. Oui, c'est pas obligé, mais c'est quand même une sacrée coïncidence quand même. On met une pastille sur lui. C'est pas obligé, mais c'est lui. C'est quand même le plus sauce pour le moment, je trouve. Oui, bah y'a pas grand monde d'autre donc oui. Ok, t'as réussi à ça. Par contre, ouais, attends. Attention, donc. Attends, Yui. Qui est où Leandro? Merde, j'ai perdu Leandro. Voilà. Attends, ils ont éteint les lumières. Ça a tenté de faire des kills. T'as voulu la ken, hein? Allez, je vais faire mes tâches. Ah! Merde.
Et c'était bien Léandro. Je l'avais call. Par contre, le masque est trouvé, mec. C'est que genre, vraiment, no joke, j'ai vraiment vu Léandro se vaniche devant moi. Ouais, par contre, c'est dommage. Il manquait de la distance, mais j'aurais pu te protéger à ce moment-là. Mais pour le coup, j'avais même pas vraiment vu le corps de Draco. Par contre, Léandro, est-ce que t'avais essayé de tuer Smolder dans l'électricole? Non, pas du tout. Ah, dommage, parce que j'avais protégé. Maintenant, on apprend nos erreurs, on tue Day One. Tour 1. Comment ça? On le bute tour 1. Après, vous n'êtes pas obligé de me buter moi. Ouais, j'avoue, on peut buter Smolder. Je vais expliquer pourquoi en fait j'ai pas tué Smolder, ok? Non, voilà. La raison pourquoi j'ai pas tué Smolder, parce que s'il y avait encore un vote, j'aurais eu deux protections, peut-être. Démon et Smolder. Ouais, bah dans tous les cas j'avais protégé Smolder à ce moment-là, au cas où. En vrai, les gens, faudrait dire dans quel game, enfin, je sais pas si ça enlève le fun ou pas, mais genre, faudrait dire dans quel game il y a des métamorphes ou pas, parce que du coup, en fait, en soi, le seul bénéfice des deux que j'ai laissé, c'est parce qu'il y avait peut-être métamorphes, mais du coup, c'est vrai qu'on sait pas. Mais non, le problème, c'est que si tu dis qu'il y a des métamorphes dans la game, ça nique tout le gameplay de l'imposteur qui est métamorphe. Bah d'ailleurs, tous les rôles ont 100% de chance d'apparaître, hein, donc... Non mais en soi... Ils ont tous 500, ils sont tous 500. Donc là on bute Smolder en premier, voilà. Non mais je comprends ce que Smolder meurt en premier, c'est qu'il y a... Si on met le rôle, c'est bien de le dire quoi. Avant de lancer la game. Bah alors, tous les rôles, ingénieur, ange gardien, scientifique, mouchard, tapageur, métamorphe et fantôme sont dans la game. Dans toutes les games, il y aura forcément un métamorphe, tout ça. Ou un métamorphe ou un fantôme. Maintenant, j'ai mis un seul imposteur car c'était assez simple pour les imposteurs. Ouais, tu m'étonnes. Par contre, Léandro, comme par hasard, tu me tues. On met les deux meilleurs joueurs. On met les deux meilleurs joueurs en première game. Et alors, en fait, Léandro, tu m'avais invité juste pour m'humilier, c'est ça? Non, je te jure que non. Ouais, c'est ça. Objection! Tu m'as invité juste pour ça! Objection, ta gueule. Eh ben dans ta gueule, prends ça. Prends des. Ah là là. Bon du coup voilà, maintenant du coup il y a un seul imposteur. Et un seul imposteur. Un seul imposteur et il peut être soit fantôme, soit shapeshifter. Du coup voilà quoi. C'est quoi l'imposteur fantôme? C'est qui peut vanish, disparaître, comme moi j'ai fait devant toi. C'est ce qu'il a fait en fait, Léandro. Ah, c'est pour ça que plus personne te voyait à un moment. Non, mais c'est... Bah, si, en fait, t'as que s'il y a deux imposteurs, si l'un des deux imposteurs l'autre imposteur le voit. Ouais, entre imposteurs, on peut se voir, voilà. Oui, c'est juste ça. C'est trop évolué pour moi. Soit Léandro, soit moi. Tu sais qu'il avait perdu son âme. Un instant, je vais gagner. C'est trop évolué pour moi maintenant. Un instant, je baisse ta mère. J'ai trop de trucs. Bête. Pas assez vite. Baisse pas ma mère, c'est vite. C'est Smolder l'imposteur. Oui. Spoil pas SBTP. Attends, mais pourquoi je fais encore confiance à Léandro? Putain, ça va être la même, hein. Ok. Radio saboté. Ok. Pour moi, Mitsuki safe.
Ok, donc pour moi, Léandro, safe. Mitsuki, Léandro, safe, tous les deux. Ah. Un instant cool, hein. Que ce modèle allait mourir en première. Allô. Allô, Will. Allô. Allô. On t'écoute. Alors, mes amis, le crime s'est déroulé dans le laboratoire. Ok. Ah. C'est Léandro. C'est pas Danko. Alors, qui a dit que c'était Léandro? Ce style. Je balance. C'est pas moi. Explique-nous tes arguments. Explique-nous tes arguments. Alors, c'est une balle perdue pour Léandro. Mais what the fuck? Moi, je pense que Léandro n'est pas le coupable. Merci. C'est le laboratoire. Alors, à un moment, j'étais à laboratoire et j'avais vu Léandro passer du coup dans le couloir pour se rendre à spécimen. Mais il avait fait bien avant que le cadavre se retrouve à cet endroit-là. Je quitte et le laboratoire. Cadavre est où? Le cadavre, il est à l'entrée du couloir pour aller spécimen dans le laboratoire. En haut ou en bas? En haut. Bah, okay. Laboratoire. Non, parce que il y a eu un truc bizarre un peu qui s'est passé. Il y a quelqu'un qui a ouvert la porte, qui est sorti du spécimen. Bon, est-ce qu'il est retourné à spécimen? Oui. Mais j'ai pas pu voir c'était qui. Dans ce cas-là, il y a deux possibilités. Soit Léandro me la met à l'envers, soit l'imposteur est un fantôme. Ouh, c'est Léandro. Je l'ai vu à l'envers et qui est un fantôme. Je pense pas, parce que vu la distance, le timing à laquelle... Parce que j'avais quitté le laboratoire, il n'y avait pas le corps de Smolder à ce moment-là. Et vu le temps qu'il m'a pris pour retourner à spécimen... Surtout que j'ai regardé sur l'écran pour voir s'il y avait quelqu'un qui était mort, il y avait Smolder qui était décédé. Mais est-ce que ce serait Léandro? Je sais pas, le timing me paraît short, parce qu'au moment où j'ouvre la porte pour rejoindre spécimen par administration, je croise justement Léandro. Mais je sais pas s'il aurait eu le temps de le tuer, de descendre spécimen et d'arriver à administration. Oui. Mais du coup, moi, j'étais en train de faire Simon. Du coup, ça m'a pris du temps. Donc pour je pense que Léandro n'est pas le meurtrier et que le meurtrier, c'est un fantôme. Et pour moi, Mitsuki est j'avais safe. Vu dans les paramètres, c'est quoi Noisekeeper? Hein? De quoi? J'avais vu dans les paramètres, c'était quoi Noisekeeper? C'est si tu meurs, en fait, il y a une grosse alerte qui va apparaître pour tout le monde. Oh, ok. Ok. Oui. Ah oui, j'ai oublié de mute. Attends, te mute, s'il te plaît. Exo, tu peux te mute, s'il te plaît? Style, tu peux te mute, s'il te plaît. Sinon, vous pouvez tous fermer vos gueules, s'il vous plaît. Voilà, ça serait plus simple. Fermez vos gueules, SVP. Aussi. Ta gueule, mon avis d'expert, c'est un suicide, effectivement. Pour moi, Léandro, je vais dire 20% de suspicion. Mitsuki, 10%. Le reste, je sais pas. Et la lumière s'est éteinte. 2. Apparemment, il n'y a qu'un seul imposteur, donc... Ah merde, c'est vrai qu'il faut que je revienne plus tard. C'est Laurence Bison. Personne pour les lights. Ok. Il a dû y avoir des morts. Par là, je sais pas. Oh putain, et je l'ai innocent, je l'ai... Oh putain, fiche. Wow. Alors. Wow. Et j'ai deux choses à dire. À côté de Vitals. Ça fait deux fois qu'il me tue. À côté de Vitals. Okay. Déjà, je peux Ino, du coup, Exo et Mitsuki, parce que bon. Bah, du coup, okay, en c'est plus petit le. Ah, parce que Léandro, par esprit de déduction, c'est soit. Mais. Ça peut être Mitsuki, parce que je l'ai vu un moment, et après, elle a dispawn et elle est réapparue derrière Exo d'un coup. Non, je suis juste à 250. Tu sais que Mitsuki, mais tu dis aussi que c'est elle.
En plus, moi j'ai un autre alibi. J'ai un autre alibi, c'est Danko, ton précédent, qui m'avait innocenté parce que j'avais fait. Ok. Non, pas Enterprise. En tout cas, j'étais vraiment. Absolument pas innocenté, Danko. J'étais vraiment Hunter, j'avais innocenté. Ah, Darago. T'as dit Danko, pour le coup, t'as vraiment dit Danko. Bref. Désolé, je voulais dire Danko. Vote Leandro. Ouais. Si on se vraiment fait apprendre à l'envers avec l'imposteur. Voilà, c'est bon. Ok, littéralement, je m'arrivais toujours en pire moment avant d'enculer. on a passé on a dit quoi ? Tuer premier tour, bordel de merde ! Non, on avait dit que c'était toi qui jouais premier tour. Mais pourquoi, littéralement, vous apparaissez à chaque fois que je réapparais ? Ouais, j'ai arrêté. Non, mais littéralement, tu veux savoir un truc drôle, Léandro ? C'est que j'arrive pile pour check s'il n'y avait pas des morts. Et genre, tu kills juste devant moi. Ouais, mais je sais, Darako fait de même. Darako, littéralement, genre, il est apparu pile poil quand je réapparais. T'as eu de la chance, hein. J'avais le pouvoir des ventes, je prends la vente, je sors de la vente, il y a les rangs qui butent. Et moi, j'avais le destin. Moi, j'avais le meilleur pouvoir de tous, j'avais juste mon pouvoir de déduction. Ok, littéralement, ok, les gens. J'avais littéralement la vente. Smolder, c'est vraiment hilarant. Smolder, littéralement, elle pop d'une vente, ok. Je mets à jour le théorème. Par contre, je réapparais quand j'étais fantôme et je bute Smolder. C'est vrai que là, on dirait un peu que tu discrimines un peu les dragons là, Leandro. Qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, dans mon chat, on me dit conclusion, s'il y a un mort et que Leandro est pas mort, c'est lui. Je tiens à dire, Darako a été ma dernière victime. Oui, c'est vrai. Tu m'as tué, salaud. Littéralement, je me suis même retenu au début de pas le tuer pour qu'il puisse jouer un peu. Ouais, et c'est Steel qui reporte mon cadavre, du coup, je crois. Sinon, le théorème aurait été vrai. Je sais même pas. D'accord. C'est l'exception qui confirme la règle. Parce que j'ai vérifié s'il n'y avait pas des victimes, il y en avait et il me tue à ce moment-là. Mais à mon avis, t'as dû réapparaître et me tuer direct. C'est à ce moment-là où j'ai eu le kill. Comment ça va? En fait, voilà ce qui s'est passé. En fait, t'as regardé, je suis réapparu. En fait, j'ai envie de réapparaître, tu t'es mis dans les trucs et du coup, je t'ai tué en fait. Ouais. Et moi, du coup, quand il t'a buté, j'étais là. Et c'est le drame. Tranquille. On vient de gagner. Après ça va, c'est juste une game, hein, salaud. Salaud. Non, j'ai pré-shot, je suis l'imposteur. Non, c'est moi, je suis le métamorphe. Allez. La game, c'est que pour le coup. Non, s'il y a un soupçon, vous tuez T1. S'il y a un métamorphe, vous savez qui c'est. Bon bah, j'ai un copie de merde. Allez. T'es un peu lourd encore. Ouais. Et la Boeva. Ouais. Un peu collé. Encore Leandro à tous les coups. Attends, merde, c'est là la porte. Pas de décès, ok. Ah, ok. Tu lui recrossais. Bah bravo Leandro, je t'affraie lycée de pas. Non, des mous. Aïe aïe aïe. Comment ça c'est encore Leandro? Leandro shapeshift en moi. Comment ça c'est encore Leandro, what the fuck? Allez, alors après peut-être que c'est quelqu'un qui a pris la vente, mais sinon Leandro l'aurait vu et il l'aurait couru. Alors juste par curiosité, où se situe le cadavre? Bah, je sais pas, parce qu'en fait, littéralement, j'étais en train... Ah oui. Bah, justement. Attends. Oui, il a parlé pour ce cadavre, en fait. Oui, c'est le report... oui, c'est le bouton d'urgence, pardon. Vraiment, je vois... Regarde, je suis au scan, ok. Je commence à partir, je vois Léandro... Non, je commence même pas à partir. Je suis au scan, je vois Léandro qui a... Pourquoi celui-là, elle a voté? Tu peux fermer ta gueule, s'il te plaît. J'ai dit, je vote T1. Ok. Vous pouvez fermer votre gueule, s'il vous plaît, merci.
Léandro descend vers, soit pour aller vers la vente, soit pour aller vers la zone de contamination. La zone de contamination ne s'ouvre pas, je suis sûr. Et je vois Léandro partir à gauche. Ok, je te déconne pas, je suis en train de faire les câbles. Ouais, ouais, bah, mais le chef Yves-Star, tu sais qu'il peut pas se chef Yves deux fois d'affilée. Exo qui efface les traces du cadavre, on note, c'est vrai. Moi, je suis en train de dire, je savais même pas qu'il y avait un cadavre. Attends, tu savais pas qu'il y avait un cadavre? Non. Genre. Okay, ouais, mais ça prend deux secondes de regarder les Vitals. Hein. Je vois un exotile numéro 2 se balader à côté de moi et juste après qu'un Léandro soit passé. Je vais pas me dire, bah tiens, cadavre. Je te jure que moi je faisais justement les câbles. C'était où le chef Shifter? C'était pas la zone des contaminations, c'était laboratoire. Donc, le cadavre est peut-être là-bas. C'est vrai que j'avais vu quelqu'un te suivre. C'était ça du coup. C'est Léandro. Mais je saurais plus dire si c'était deux fois toi. Si, c'était vraiment deux fois moi, je peux pas me tromper, je pars vers la gauche et je vois le... Ce que je veux dire, c'est au moment où j'arrive à laboratoire, je t'ai vu toi, mais je saurais plus me rappeler si c'était un deuxième skin de toi ou si c'était quelqu'un d'autre. Je l'ai un peu suivi. Tu es sûr que c'est Léon? Ah, terrible. Parce que c'est vraiment lui qui est descendu, et 100% c'est lui parce qu'il a pas... Il y a le truc de décontamination, c'est pas ouvert, il y aurait eu... Un alibi, Léon? Je vous jure, j'ai fait d'abord les câbles électricoles, ensuite les câbles à côté de O2, et après je suis allé à la laboratoire car il y a un truc de faire des câbles là-bas. On le jure. Allez. Pas, Marcelino. C'est le seul à avoir la ref. Deux, trois fois la suite. Ah là là. Bah, on va voir. Allez, c'est possible. Où c'est-il? Allez, c'est officiel. Ah non, c'est... Encore? T'en as pas marre d'être imposteur? Eh, moi je te voyais. En fait, je t'ai vu, mais sur le coin de mon écran. Je te jure, si je t'aurais vu au scan, je t'aurais pas pris toi. Mais surtout, si j'avais fait plus attention au fait qu'il y avait deux fois Exotil, bah du coup, l'imposteur, il se serait du coup fini d'être... J'étais un peu con. Vous savez pourquoi j'ai pas vu Exotil? Car sur le coin à droite, il y a la putain de map de la carte. Eh, Steel, il m'a volé ma couleur. Voleur. Oui, mais moi du coup c'était en bas. Merci, c'est comme ça que ça marche, Exotil, dans le jeu. Si moi je dois te voir en haut à droite, toi tu dois me voir en bas à gauche. Ouais, ça me paraît logique. Voilà. Bref. Moi juste, c'est encore Léandro l'imposteur. Ce serait... Je vous jure, si c'est encore moi, je tue Léandro. Allez, let's go. C'est dommage qu'on peut pas le faire dans le jeu en vrai. Ok. Je suis encore un coéquipier de merde. Mais c'est un bug parce que apparemment il y a beaucoup de rôles spéciaux. On est 8. Normalement les probabilités font que j'aurais dû avoir un autre rôle spécial. Là faut que je pense à utiliser les cams de temps en temps. Par contre la Boeva... ça bug un peu. Ouh, Léandro. Non. Danko. Ouais. Ça aurait pu me buter. Oula. Ok. Ok. Oh bah. Ok. Attends. C'est un bug? Comment ça se fait? Ah, c'est pas la bonne couleur. Mais attends. Où sont les cadavres? Allô? À lui. Allô? Oui. Oui. Dis-nous, Démon, on te lit. On te lit. On te lit. On te lit. On te couverture. Quel cadavre a été reporté où? C'était Steel TV, le cadavre. Ah, ok.
Je peux à peu près safe d'Arako. Parce qu'il était au cam pendant le début de la game et il m'a suivi après. Ouais, j'ai checké pour voir si t'étais pas décédé et tout ça. Moi j'ai dit j'attends les arguments de Demon Eva. Léandro, je pense que c'est pas lui parce que je l'ai vu faire ses quêtes à Chaufferie. C'était devant l'entrée de labo. Ok, j'y étais pas. Évidemment, c'est labo, Demon. Hein. Et Danko non plus, j'y étais pas. J'ai croisé plusieurs fois Demon Eva. Moi et, non, bizarrement. Et deux on fois d'Arako. Les Andros sont safe. Attends, tu m'as croisé deux fois? Ah oui, non, oui. Oui. Oui, c'est vrai que oui, je t'avais croisé. Alors par contre, deux fois? Oui, parce que quand je suis allé en bas, et que du coup, quand je suis remonté, t'es allé aussi en bas, du coup. Du coup, t'es allé en bas quand moi, je suis remonté. Parce que j'ai l'impression de t'avoir croisé qu'une fois, moi. On était en face du couloir d'électricité. Ça, oui. Ça, pour la première fois. Et après, je crois que quand t'es... Ou alors, c'est Demon, mais quelqu'un est descendu vers le haut de Chaufferie et moi je remontais vers électricité du coup quand j'avais fini mes quêtes vers ah oui bah c'était moi. Ok, on s'est croisé deux fois. Qui était vers labo du coup? Bah ça doit être le reste hein. Il reste qui? Donc, Mitsuki, j'avais vu qu'il était à radio. Ouais. Non, justement j'avais dit que t'étais à radio. Ouais. Bah, il y a que des monnaies là. Il reste que Léandro, j'ai envie de dire. Non, Léandro, je l'ai vu faire ses quêtes à... Chaufferie. Là, maintenant, je suis entre Electrical et Storage. Je suis en train de faire une quête avec le pilier d'énergie, là. Electrical et Storage. Moi, ouais. Je crois en Léandro, cette game. Genre, littéralement, devant le dropship, devant le vaisseau. Ouais. Un petit self-report de Demon Eva, moi, je pense que c'est pas impossible, par contre. Il y a des chances, surtout que à un moment où je l'ai croisé, elle était au niveau d'une vente, mais il y a un endroit où il y a une task. Mais non, je sais pas. Mais ouais, j'ai un doute sur la Boeva. Désolé, moi je skip les gens. Bah j'ai pas d'indice, ouais. J'ai petite pastille sur la Boeva, mais sans conviction. J'ai pas assez de preuves. Mais en gros, mute-toi. Bon. Ok, ça c'est fait. Qui que c'est... Oh. La Boeva. C'était un peu rapide le télescope. Ok. Mais si je te moi. Oula. Attends. C'est pas Léandro. Du coup. Ça va, Smolder? Attends. Hein? Ça répond pas, hein. Ça va? Ça répond pas. Pardon, je débute. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, du coup, comment tu vas? Bah ouais, ça va. T'as fait un très joli kill, là. Non. Tu vas-y, Smolder. Ah non. C'est pas toi, c'est Danko. Non, c'est pas Danko. Danko, je l'ai safe au premier tour, c'est pas Danko. Il est où, le corps? Mitsuki, je l'ai vu faire ses... À l'entrée de spécimen, côté laboratoire. Ok. Spécimen, tu vois l'endroit où t'es allé, tu vois. Spécimen, l'endroit où t'es allé. Ah, je suis parti de Spécimen depuis un moment. Hein. Ouais. T'as passé à côté de quelqu'un, Smolder. Attends, juste une question. Je suis passé à côté de personne. J'ai vu Tarako et Demon, je les ai quittés à labo. Attends, redis ce que t'as dit. À admin. Redis ce que t'as dit. Je crois que t'étais. Toi et Demon, je vous ai quittés à labo. Objection à admin. Parce qu'à ce moment-là, j'ai vu Léandro et Demon. Ce qui veut dire que tu es le shapeshifter et que tu as pris le skin de Léandro. Non, c'est le shapeshifter et il a pris le skin de Léandro. Non, mais je te dis que c'est vrai. En fait, moi, je suis arrivé, Smolder est en train de partir, c'est pour ça. Ah. Là, je suis entre administration et bureau, dans le couloir. Je sais que Smolder a fait le scanner. Oui, Demon m'avait vu. Et après, elle a fait après moi le scanner. Quand je suis parti. Je sais qu'elle l'a fait, donc soit elle l'a fake, soit elle l'a fait, mais.
Pour moi, Danko, c'est sûr, c'est pas elle. Mitsuki, en fait, ça, je crois pas non plus. On kick Smolder, et si c'est pas Smolder, c'est Danko. Mais t'as aucune preuve que ce soit moi? Si, on en a. Non, désolé, pour l'instant, ça colle le plus avec toi. Je suis à admin, ça fait un moment que je suis parti, moi. Les gens, pour me safe, moi, je peux vous dire que j'ai vu Mitsuki faire ses fils devant bureau, juste. Et je l'ai vu faire les fils, vraiment. C'est vrai, j'ai aussi vu Danko faire les fils à Office, en fait. Oui. Bon bah voilà, c'est Smolder. Mais il y a aucune preuve. Kill her. Moi je vais soupçonner à 90%, je pense que c'est toi Smolder. Et si c'est pas Smolder, si vous... Je vais t'expliquer après pourquoi. Si vous voulez, mais il y avait aucune preuve. Il y avait. Non. Il y en avait aucune. Non. Il y en avait aucune. Il y en avait aucune. C'est la sélection naturelle. Et voilà. En fait, je vais t'expliquer Smolder. Bah, t'es sur le chemin, bro. Alors, d'un coup, c'était bien de m'éviter en premier. Du coup, je vais expliquer ce qui s'est passé. Daemon faisait du bruit. Du coup, au moment de se faire tuer, il y a eu l'alarme. Ok ? Oui. Au début de ce round, j'ai vu Danko faire les fils de Office, un truc qui est très souvent oublié par les joueurs. Ensuite, oui. Au moment que le kill a été fait, on était moi, Daako et Mitsuki devant la porte de qui mène à Specimen. Oui. Au moment de la mort de Daemon. En plus, la porte était fermée. Tu venais de partir à Specimen. T'étais parti Smolder. En question de genre de même pas 30 secondes. J'étais parti rien, il y a un moment. Rien que par esprit d'élimination, c'est toi Smolder. J'étais parti à un moment et en plus t'aurais pu voir le pseudo parce que j'étais sous le pseudo d'Anko. Rien que par esprit d'élimination. Oui, non, parce que le cadavre, en fait, vous avez juste fait YOLO. Non, attends, Smolder, sauf toi. Est-ce que je peux expliquer, moi, mon point de vue? En fait, au moment où le cadavre est mort, on reçoit l'alerte. Léandro, il était de l'autre côté de la porte était fermée, ça je peux en attester. Donc Léandro, c'était sûr, il pouvait pas être le coupable. Tour 1, Danko et Mitsuki, pour moi, étaient 100% safe, parce que les kills étaient faits à un endroit où elle n'y était pas. Donc par souci d'élimination, pour moi, il ne restait plus que toi. Oui, désolé, enfin, c'est ça en soi, il y avait que toi. Oui. Et c'était aussi la personne la plus proche. Moi aussi, j'ai un point de vue à partager. Oui. C'est que, alors moi j'avais le rôle mouchard. Et oui. Du coup, dès le début de la game, j'ai testé deux personnes, j'ai pu les save parce que je les ai vu faire leur quête sur la carte. J'ai voulu tester Smolder en troisième, et Smolder, elle est restée au scanner pas si longtemps que ça. En fait, elle allait vachement vite sur la carte. Ouais, genre elle esquivait les tasks, elle les faisait pas quoi. Si vous voulez. Bon. Bah, de toute façon, c'est le jeu, on t'a démasqué, c'est comme ça. Ouais. Mais moi, par souci d'élimination, moi, il me restait plus que toi comme suspect. C'est tout. Ouais, mais c'est ça en fait. Après que les fils de l'office aient été mentionnés, je me rappelais d'avoir vu Danko. Du coup, bah, oui, non, mais voilà. non, mais c'est bon. Là où t'as mal joué aussi, c'est que t'as tué la suspecte principale. c'est vrai. Alors, tu es la seule personne qui fallait pas tuer. Oui, mais c'est bon. Mais on débrief. Là, on débrief. On n'a pas besoin. C'est terrible là. Après 2 mois d'aventure, la villa est sous tension. Waouh, la villa est sous tension. Allez, on se mute. Bah... Ça y est, c'est mon moment de briller. Attends, est-ce que j'ai... Non, j'en ai pas là. Allô ? Ok, j'ai une info. Ouais.
Vas-y. Alors, les gens qui peuvent disparaître dans les rôles. Oui. Il y a que des méchants qui peuvent faire ça. Ouais. Fantôme, oui. Ok, j'ai vu Draco disparaître à la cam. Hein ? Oula ! Oula ! Pardon ? Disparaître à la cam. Oula ! Objection ! Bah, je n'ai pas de défense. Ouais, pas mal. Voilà, c'est pas mal la game. Non, bah, contre cet argument, tu peux rien faire en vrai. Là pour le coup. Voilà, c'est pas moi. Moi je dis, c'est Léandro. Voilà. En fait, j'étais un peu deck parce que bah, du coup, j'avais tué Exotil à un moment quand les lights étaient éteintes. Et je voulais kill Smolder et disparaître. Résultat, elle s'est fait protéger par l'ange gardien. Ce qui en déjà plus, m'a baisé. J'ai surveillé au début. En mode ah, ils sont tous les deux. Si je reviens, qu'il y en a un qui est mort. Ouais, Smolder, du coup, s'est fait protéger. Elle a eu de la chance. Sauf qu'en fait, je voulais du coup kill et disparaître. Sauf que bah, elle s'est fait protéger et j'ai appuyé sur le bouton de disparaître en même temps. Ah ouais, là, t'as eu malchance sur malchance là. Ouais. Ah, c'était ma première fois avec ce rôle. J'étais pas métamorphe, c'est pour ça que j'ai perdu. Mais voilà. Objection, Draco ne peut pas être imposteur s'il n'est pas métamorphe. Hein, c'est ça. Voilà. Là, pour le coup, j'ai mal joué. Là, j'avais pas de défense, je pouvais rien faire. Allez. Le gros fail, pas merde. Ouais, là, pour le coup, j'ai flop. Au moins, t'as pas fait pire que moi. Ouais, mais là pour le coup, je pouvais plus me défendre. J'ai juré, Draco, je suis mort, je t'ai hanté toute la game juste pour protéger la première personne. J'étais sûr que t'allais buter. Ouais, bah oui, bah t'as bien joué parce que du coup, j'ai tenté de tuer Smolder. Allez, c'est parti. Je dis ça et je me mute en même temps. Ah, bah ça y est, j'ai métamorphe, c'est bon, je vous tue. Bon, bah c'est moi. Ah bah on tue Léandro, on fait le vote hein. Et on peut me buter SVP. Ah, oh non, faut que je revienne. Avant tout, il y a métamorphe. Je précise, il y a métamorphe. Ok. Ah. J'ai vu un deuxième exotile. Ah ouais. Alors, oui, Smolder, je l'ai croisé que à spécimen. Il est en train de me chasser maintenant. Ah. On est d'accord que Smolder est... Attendez. On est d'accord que Smolder est décédé dans les coins de laboratoire. Je me suis trompé, je l'ai pas croisé à spécimen. J'ai croisé à côté du bureau, j'ai oublié. Léandro, est-ce que genre t'avais une quête à spécimen? J'avais pas de truc à spécimen. Est-ce que t'as attendu un peu que quelqu'un descende et c'est genre le deuxième mois. Moi en tout cas je suis descendu, tu vois. Tu vois, t'étais avec moi, c'est toi qui étais avec moi à spécimen dans le truc de pour entrer ou pas. Ah, non, la Boeva, juste vu quelqu'un disparaître dans un trou. Fin, c'est moi qui t'ai mis la fin. Oui, justement, je sais que ça. Ok, ça c'était toi. Oui, du coup. Oui. Ça c'était du coup, moi. Oui. Ok, j'avais pas de truc à spécimen. Du coup, je suis sorti de spécimen. En fait, moi j'ai un parcours précis que je fais dans cette map. Et du coup, en fait, après je suis en admin. Et dans Office, il y avait un deuxième exotile. Du coup, j'ai commencé à. Non, ça c'est moi. Mais non, ça c'est moi. Mais t'es con, tu m'as fait peur. C'est encore moi. C'était calculé. Car c'est moi qui tue Smolder. Pourquoi tu m'as chassé alors? Mais je t'ai pas chassé, j'avais une quête à weapons. Mais tu me suivais. Mais oui, vu que t'allais en dehors. Après, c'est le principe de se suivre pour voir si quelqu'un est suspect ou pas, hein, j'ai envie de dire. Le mec. J'ai vraiment une quête à weapons. Le mec, lui aussi, il sort d'admin pour aller à gauche. Bah, tu m'étonnes que je te suive. Mais non. Moi, j'allais tout droit. Moi, j'allais en haut. Toi, t'es en train de me suivre. Par contre. Y a personne? Par contre, la Boeva, t'avais pas répondu à ma question. Est-ce que le cadavre s'est trouvé dans les coins de laboratoire? Parce que moi, si ça s'est passé dans ces coins-là,
Déjà, la personne n'a pas pu descendre directement par spécimen. Parce que j'ai croisé Smolder et j'étais du coup à spécimen quand l'alerte avait retenti. Moi, juste, il est c'est moi qui l'ai tué. Mais la personne n'est pas passée par spécimen à ce moment-là. C'est moi qui l'ai tué. Ah bah, on tue. Hein. Vous savez qu'en vrai, il peut vraiment que ce soit style, hein. C'est ça le problème. Non, ouais, excusez-moi, c'est attention, attention à tes fesses, Léandro. Si je meurs après, vous savez qui c'est. Pour le moment, j'ai que dalle comme info. Bon, j'ai la majorité des quêtes qui sont ici. Tac. Il y a longtemps que j'ai plus fait les quêtes. Tac. La Boeva. Léandro, ouais, non. Léandro, je sais pas. Je vais éviter que je sois à côté du Vitals pour épargner les tacs. Oula, Mitsuki a été. Mitsuki. Je vais faire confiance. On va vérifier un truc. Allô? Ouais. Ouais, alors attendez, je vais juste vérifier un truc. Ouais, non, okay. C'est pour vérifier. Non, non, c'était juste pour vérifier un truc. Et pour moi, du coup, Exotil n'est pas coupable. Ok, c'est juste pour dire ça. Mais bah, en fait, je vous dis, c'est moi qui suis l'imposteur. Bah, en fait, je vais vous expliquer en fait mon point de vue. Exotil et moi, on était tous les deux seuls au niveau de radio. À ce moment-là, il aurait pu me tuer. Après, je lui dis, mais on ne s'en pas à 100%. Mais. Comme je n'étais pas mort, je voulais vérifier si l'ange avait utilisé son pouvoir de protection ou pas. À ce moment-là. Oui, okay. Et à ce moment-là, si le pouvoir de protection avait été utilisé, sachant qu'on était tous les deux dans la pièce, les soupçons auraient pu peser lourdement sur Exotil. Okay. C'était ça, en fait, ce que je voulais faire. Tu étais à caméra? Non, j'étais à radio. Non, non, j'y étais à un moment, mais je ne l'étais plus. Oui, là, tu y étais, mais avant, tu étais. Oui, j'y étais, oui. Tu étais en train de faire le scanner. Vous allez arrêter, vous savez, je t'en moi. J'étais en train de faire une semaine. Quand on a fini de. On avait fini de. Le vote d'avant, j'étais juste à côté de Léandro. Il a même eu peur. Genre, ok. Ça a du sens que ce soit style en fait. Le fait qu'il ait juste tué Smolder a du sens. Pourquoi? Ah, mais attends, Smolder. Est-ce qu'il serait tellement fier pour ça? Explique-toi. T'avais pas dit que t'allais te venger? Ah non, c'était de Darako que t'allais te venger. Marc, c'est peut-être Léandro qui fait son mindfuck. Voilà, non, je vous jure. Explique-toi, Léandro. Je trouve juste drôle qu'il arrête pas de dire ouais, les gens, en fait, c'est moi. Ouais, les gens, en fait, c'est moi. Et en plus, c'est Smolder qui est la seule qui est morte pour l'instant. Je vais pas dire que c'est lui. Je dis juste que je trouve ça hilarant. Bah, c'est ce que t'es en train de dire, là. Je tiens à dire qu'il y a un comportement que je trouvais suspect. À un moment, Mitsuki, je sortais du milieu de office et je voyais que tu descendais et que tu remontais quand j'arrivais avec Léandro qui était en bas. Non, mais c'est pas, ça m'arrive parfois, je bug, genre je regarde la carte et puis je me redirige un peu en même temps. Ouais, pour D'ailleurs, Darako, ouais, ça m'arrive. C'est un peu chelou, tu regardais beaucoup les gens à la sortie de bureau. Mais j'enquête. Mais j'enquête, hein. Je suis un procureur. Ah ouais, mais t'es longtemps quand même. Je vous dis, c'est moi l'imposteur. C'est pas si longtemps, hein. Je suis resté genre 5 secondes. Les gens, je vous jure, c'était style. Ça serait hilarant. Ok, bon, j'ai perdu mon passe droit pour report. Pour report d'urgence. Donc, concentrons-nous sur les tasks. Il me reste 3 trucs à faire. Par contre, c'est que dans spécimen. Hein. Là, je vais être inefficace.
Et je vois pas rien. Mitsuki. Je sais pas si vous avez remarqué, mais les genre les Demon Eva qui d'un coup pop out of space, c'est pas très rare. C'est pas très Demon, c'est pas très présent. Hein. Allô. Allô. Genre, en plus, c'est pas depuis tout à l'heure. En plus, c'est drôle parce que j'ai bien vu l'animation de quand l'imposteur se dépop. C'est super stylé. Ok. C'est, alors, tu vois le corps se décomposer un peu et pouf. Quelle couleur l'animation? Alors attends, oui, bah plus rouge rosé. Hein. Ah, chez moi c'était bleu, il me semblait. Comment ça, chez toi, c'était pas toi qui étais à spécimen? Par contre, la dernière fois, Léandro, la dernière game où j'ai vu quelqu'un disparaître, c'était de la fumée bleue. Attends, Léandro, est-ce que t'étais rentré par spécimen? Non, c'est moi. Attends, t'es rentré par spécimen? Je suis rentré par la fumée, c'est la couleur du Among Us. Parce qu'il y a quelqu'un qui est. Attendez, il y a quelqu'un qui est sorti spécimen côté administration, c'était qui? En fait, je suis rentré et sorti de ce côté. Ok, et est-ce que t'as croisé quelqu'un? Bah, en fait, j'étais. Alors, attends, qui c'est qui faisait sa tâche? Moi, je faisais une tâche. Mais est-ce que tu as croisé quelqu'un d'autre? Bah, Demon Eva qui. Les gens, je pense que c'était Demon pour la seule et simple raison. Ça a dit en fait que c'était il y avait le truc d'ange et j'ai été beaucoup de temps avec Demon. Moi, je pense que c'était moi qui l'a tenté de tuer dans ce spécimen. Bah, attends, mais si c'est Rose, c'est Mitsuki. Bon, oui, c'était Mitsuki que j'ai vu. Non, ça peut pas être les deux en même temps, je suis con, moi. Quelqu'un a été avec Mitsuki à un bon moment ou pas? Moi, en fait, quand je faisais l'une des tasks à spécimen, j'avais vu Mitsuki arriver côté est dans spécimen. Ouais, ça pouvait être Mitsuki. Mais j'ai pas vu ressortir d'un côté ou de l'autre. En fait, je vais pas passer par dessus Mitsuki. Attends, mais j'ai à peine eu le temps de voir la couleur et c'était un rose, du coup, c'est un rose rougé. Du coup, j'étais en mode, c'est Demon Eva, mais en fait, quand c'est Mitsuki. C'est Mitsuki. Moi, il y a un truc chelou aussi. Je vous dis, c'est moi l'imposteur. Les gens, c'est pas ce que je demande. Est-ce que quelqu'un a été avec Mitsuki? Genre, vraiment coller l'un l'autre, les personnages. Moi, je faisais une tasque et je pense qu'elle m'a rejoint à ce moment-là, qu'elle a voulu me tuer et qu'elle s'est TP à ce moment-là. Je pense que c'est moi qu'elle a tenté de tuer. En fait, je pense. Collé et en fait il y a eu tentative de meurtre et du coup comme elle a vu qu'elle pouvait pas le tuer, bah du coup hop je disparais. Sauf qu'il y a un gothique qui alors rentre. Alors si c'est pas Mitsu, c'est Demon. Alors non, c'est Mitsuki. Non, c'est échec moi, et mat, c'est pas défendu en plus, comme dirait Benjamin ça, Hunter, échec et mat. Donc en fait c'est pas elle. C'était moi en fait. Voilà. C'était pas Mitsuki bon. Apparemment. Mais pourquoi en fait j'ai aucun rôle et je joue quand même très bien, j'arrive à trouver les impôts. Alors, ce qui est bien, c'est que genre vraiment, hein, j'ai venu devant vous tranquillement, j'ai venu devant Leandro, personne m'a soupçonné, donc j'aurais pu être l'imposteur, personne m'aurait cramé. Mitsuki, on est d'accord, t'as tenté de me tuer? Non, je crois pas. Ah, d'accord. Bah, il y avait marqué littéralement l'ange a sauvé quelqu'un. Ouais. C'est qui t'a sauvé, Smolder? C'est moi qui ai sauvé Darako. Ouais, donc c'est moi que t'as tenté de tuer Mitsuki. Ah oui, effectivement, voilà. Oui. Sauf qu'à un moment, je me suis dit, mais attends, Mitsuki, elle a disparu. Parce que je t'ai pas vu ni sortir à l'est ni à l'ouest de spécimen. Il y avait que Exotil que j'avais vu. Il était rentré et sorti du même côté. Non, mais toi, je t'ai vu rentrer mais jamais sortir. Quand j'ai vu Exo derrière la porte, je me suis dit, c'est bon, il a vu Mitsuki, il va dire Mitsuki. Et le bouton appuyé, c'est Demon. Oui, mais heureusement qu'on était là pour. Heureusement qu'on était là pour recalibrer. Sinon, les gens, on va changer à la Fungle. Oh, oui, les boys. Allez, les boys. Je connais pas la map. Moi, j'ai oublié, donc bon courage. Ouais, mais j'y ai joué une game. Ça fait. Bah, c'est déjà pas mal. Je pré-shot, je suis l'imposteur. Par contre, Steel TV, t'avais un rôle de merde ou. Ah, j'étais ingénieur, j'ai 20 devant vous. J'ai 20 devant Léandro, j'ai 22 devant vous au bout du troisième round. Ça. Personne m'a soupçonné. Mais pourquoi? Donc j'aurais pu être vraiment l'imposteur. Mais pourquoi tu voulais qu'on te tue du coup? Pas de problème. Juste pour aider l'imposteur. Mais tu casses tes couilles. Non. Bon, du coup, moi je suis prêt. Hein. Ouais, mais attends, Exotil. Non, j'ai pas envie. Malheur.
Oh, c'est gueule horrible. Oh putain. C'est un Picasso. Mais c'est la même gueule que dans ma vidéo. Oui. J'ai rien compris. Incroyable. Mais okay. Dans une de mes vidéos, je lui ai mis sa gueule. Ah mais du coup ils ont fait cette ils ont fait ce visage finalement. Ah le Smolder le raccoon. Non mais j'ai le mode, tu sais les l'emoji œil bouche œil qui est souvent utilisé comme emote en mode et donc ils l'ont fait en visage et c'est hilarant. Ah mais d'accord, ok, je veux. C'est bon, on est prêt à faire les boys. Un jour Exotil reviendra. La légende raconte. Un jour Exotil reviendra. Il est parti chier ou quoi? Il avait envie, laisse-le. Mais il a qu'à faire comme moi, il a qu'à porter des couches. T'as pas besoin de te lever, voilà. J'arrive à entendre la voix de Simon en train de dire de la merde maintenant. Vous êtes d'une vulgarité déplorable. J'avoue, pute. J'aime trop cette phrase. Vraiment, cette phrase de Simon, faut vraiment que je la pardon. La simple. Vraiment la mettre en son. Faut mettre en son board. Par contre, ouais, Steve TV, t'es un imposteur. Vas-y, Léandro, lance. Toi l'imposteur. Toi l'imposteur. Danko. En vrai, il y a deux Benjamin Hunter, c'est pas bon. La meilleure collab qu'on peut avoir ici, ça serait Simeon Darako. Hein. C'est vrai que c'est un concept. Allez, votre gueule. Allez, je suis un allez, je suis un spécimen je de foire. Je prédis Danko. Mais évidemment, c'est moi. Moi. Non, c'est moi, je vous dis, putain, mais vous faites chier. Par contre, j'ai totalement oublié la map. J'essaie de faire semblant de faire des tasks. Ah merde. Tac. Ah non mais ça. Maquette. Allô. Ah, allô. Ah bah super. Ah bah j'allais, oui, j'allais descendre pour reporter le cadavre d'Exotil, je l'ai vu aux jumelles. Eh bien oui, il est à jardin. By the way, je peux confirmer que Darko était aux jumelles. Et du coup, il était côté cour ou côté jardin? Ta gueule. Il était côté poisson. Ouais. Allez. Ça existe pas, je sais. Du coup, ouais, j'ai croisé Darko, je crois, et Léandro. Ouais, on a je crois au réacteur. On a fait au réacteur. Ouais, ouais. Ouais. J'étais arrivé, vous avez fini les réacteurs, ouais. Et après, je suis allé au jardin et bah, y avait le cadavre. Si, il y a la maison, c'est en bas. J'ai croisé Smolder. Effectivement. Il y a la maison de Demon. Comment ça, tu m'as croisé? Non, je croisais personne. Je t'ai croisé. Hein? Ah non, tu m'as pas croisé. Je t'ai croisé, je t'assure. T'étais à Cafétéria quand je t'ai croisé. Cafétéria. Oui, t'avais une quête à Cafétéria. Oula, t'étais un mec comme étant mort, je crois.
Je connais pas. T'as fait moi. Une quête avec un mec avec métamorphe. J'ai une histoire d'amour, mais c'est pas un métamorphe. Il y a un métamorphe dans la game. Bon bah c'est moi, allez, j'avoue. Ça peut pas être un métamorphe parce que allez. Sinon il aurait vent pour aller à cafette. Votez tous Darako, okay. S'il vous plaît. Non, c'est pas Darako, c'est pas Darako. Je peux justifier qu'il était bien aux jumelles. Non, j'ai skip. Tu m'avais vu aux jumelles ? Il était là-bas pendant longtemps, wesh. Les tours ou pas ? Oh là là. Non, c'est Darako de qui on parle, c'est pas Darako, wesh. Oh. Parce qu'on parle des jumelles, donc... Allez. Oh putain. Allez, moi je dis qu'on élimine Smolder juste pour cette blague. Moi je dis que Steel est très silencieux. Qui ça ? Ah, Steel. Moi je dis que Steel est très silencieux. Ouais. Mais... Depuis tout à l'heure, je parle. Steel, parle-moi, Redou. Parle-moi. Tu mens, Steel, tu ne parles pas. J'ai vu Smolder. Oui, le timing était excellent. Bébou, dis-moi que je suis fort en même temps. On va faire sa quête. T'es moche. Bébou. Vas-y, Smolder. Ouais, bah... Le méchant, Bébou. D'accord, super. Ok. C'est Danko, moi je prédis. Moi c'est juste pour la blague des deux tours. Mais je vous ai dit en début de game, c'était moi, bordel. En plus, tu mets ton climax. J'avoue. C'est l'ange gardien, faut que j'utilise mon kill intelligemment. Ou je revois s'il n'y a pas des victimes quelque part. Ah. Allô. Bon bah c'était pas Smolder. Ok bah c'était pas Smolder. Je vous dis c'est moi. Bon bah c'est Steel, allez. Bon coup, qu'est-ce que t'as vu? Alors bah j'ai vu l'annonce de son corps et puis justement c'était sur ma route de quête parce que j'avais une quête à poste de guet puis ensuite à carrière. Puis il y avait juste son corps à jumelles du coup. Mm-hmm. Tiens comme c'est bizarre. On l'a kill pour sa blague de merde. Qui est un bon motif. J'ai croisé 2-3 personnes sur mon chemin quand j'allais à Pottergate. Même à un moment, j'étais perdu. J'ai croisé quelqu'un à la salle de réunion remontant vers la salle principale. Oui, c'est moi que t'as croisé. Ouais, bah après, je serais parti. Et puis justement, c'est là où je suis allé. T'avais quoi comme... J'ai pas compris parce que du coup, t'es retourné en arrière. Oui, t'avais parce que j'étais perdu. T'avais quoi comme quête à labo, Danko? Labo, c'est... Alors j'avais 3 quêtes là-bas. J'avais le truc où faut faire éclore un poussin. J'avais le truc où faut reformer un cristal. Et j'avais le truc où faut trier 2 champignons et un cristal. Par contre, c'est pas okay. Du task abuse de faire ça. En vrai. Je sais pas, on m'a demandé ce que j'ai fait, je lui dis. Ouais, mais je sais pas. Moi, c'est du task abuse. Le faire, hein. Ouais, mais. J'ai envie de dire. Moi, je demande labo car j'ai vu dans quoi labo en fait. J'aurais pu dire c'est quoi les tasks que t'as fait en général et j'ai pas après, fait. Après, il y avait aussi à la labo, il y avait aussi Demon.
Bon, mais après, c'est Demon, quoi. Oui. Demon est toujours à labo. Et j'ai trouvé qu'il n'y avait pas beaucoup de kills, Demon, justement. Il y avait Demon et Danko et moi. Donc, soit et l'imposteur soit, est très prudent, soit l'imposteur. Soit c'est quelqu'un peu expérimenté. Ou soit c'est juste moi qui est event proche de carrière et de poste de gay et qui ai buté Smolder et qui me suis revent vers Stade de Réunion aussi. Moi j'ai envie de dire, on a presque fini les tasks, ça vous dit juste on skip et on finit les tasks le plus vite possible. Allez. Bon, allez. On allez, go. On okay. Skip. Ah, il y a quelqu'un qui a pas skip. Ah. Je me suis voté. C'est moi qui me suis voté. C'était Demon, c'était la seule qui a voté avant le reste. C'est sauce Demon. Ah, j'ai envie. Bah, oula! Darako, ça c'est le Freeport? Non. Je suis arrivé. Parce que j'étais dans les jumelles. C'est con, hein? Oui? Non. Donc c'est Darako, voilà. Non. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Steel TV, à un moment, il avait changé de skin pour Leandro, pardon. Il a tué Leandro devant moi. Non, Steel TV, tu ne la feras pas, hein, celle-là. C'est vrai que si, je l'ai vu aller vers jumelles. Bah, en sachant que j'étais avec Danko à faire cette quête à Tour de Gué. Là, le cadavre était jumelé. En plus, CTV, le coup de tu passes dans la vente, tu ressors en mode regardez, je suis pas l'imposteur, en fait, je suis l'ingénieur. Non, arrête. Et comme pour faire genre, tu pars, moi, je vais dans avec Danko, avec Leandro, on danse. Et après, je vais aux jumelles et tu le kill. Mais en fait, non, mais je pars pour voir si tu fais pas un kill. Parce que justement, le fait qu'il reste peu de tasks, ça veut dire que l'imposteur, il va agir très rapidement. Donc du coup, je livre en me disant, l'un de vous deux va kill. Je vois que Leandro est mort et qu'en plus, Leandro est vivant. Là, t'es en train de dire que c'est moi qui a tué. Donc je suis désolé, style, ça marche pas. En plus, le coup d'utiliser la vente pour dire « je suis pas imposteur, en fait, je suis ingénieur », pour moi, ça marche pas. T'as tenté, mais ça marche pas pour moi. Hein. Ton argument est faux parce que j'étais avec Danko à Tour de Gué, donc j'aurais pu la buter en sachant qu'il y avait personne. Oui, mais si tu l'as pas fait, c'est qu'il y a peut-être une autre raison. En début de round, t'as ton cooldown. En début de round. Oui, mais sauf que même après, je t'aurais suivi pour te kill. Mais non, mais après, t'aurais pu ne pas kill. Après, t'aurais pu ne pas kill pour prévenir justement la protection de l'ange gardien, ce qui est une autre possibilité. Bah non, parce que le seul moyen de savoir s'il y avait un ange gardien, c'est de faire un kill. Non, justement, t'as pas fait l'action de kill pour prévenir la protection. Bon, mais qui te dit que si j'étais imposteur, j'aurais pensé à l'ange gardien? Non, mais arrête. Fais genre l'innocent. Moi, je dis voter Darako, voilà. Non, moi, je dis voter Steel TV. Il vous la met à l'envers depuis le début. Voilà, merci. Fin du bail. Ah bah, bravo, Darako, voilà. Non, mais... échec et mat, hein. Ah, moi, mais il vous a pété le cerveau. Allez, venez voir Tonto Darako. Allez, venez. Ça sert à rien. Je vais vous tuer avant. Oui. Par contre, Leandro, va falloir que tu corriges. Va falloir que tu corriges ça, par contre. En vrai. Non, parce que sacré karma. Par contre, Leandro, le fait d'avoir le timing du bouton d'urgence avant le timing du kill, ça c'est pas bon. C'est vrai que c'est pas mal. Il y a un truc qui s'appelle que tu peux mettre la communication. Oui, il y a un truc qui s'appelle ta gueule.
Moi, j'y c'est Danko, hein. Il y a un truc de ça, c'est que j'avais protégé Danko, c'est d'accord. Moi, je dis que c'est juste un skill issue que tu viens d'avoir, bougre. Le pire Darako, le pire. On est d'accord, t'avais bien kill Leandro quand j'étais dans les jumelles, on est d'accord. Oui, bien sûr. On a vu ça, Kafka. Et en plus, il dit vraiment que j'étais ingénieur. Pour le coup, j'étais vraiment ingénieur. Oui, non, mais je sais. Bah, tu nous as montré que t'étais ingénieur. Mais moi, du coup, j'ai profité de ce fait pour dire justement que t'as fait l'action. Pour dire genre, tu fais genre que t'es ingénieur, mais en fait, t'es imposteur. Donc, en vrai, le fait que j'ai réussi à t'éliminer sur ça, moi, personnellement, je trouve que c'est un GG. Voilà. Sauf que, bah, ouais, c'est vrai que j'ai pas pensé à saboter les communications et tout ça. Mais.